C'est tout le monde, c'est Wake, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour la présentation de Minecraft 1.7.4 puisque cette version est sortie. Vous allez me dire, mais où est passé le Minecraft 1.7.3? Bah en fait, ils ont décidé de sortir hier soir une pré-release sur 1.7.4 justement, parce que ça corrigeait quelques bugs, etc. Donc oui, ils ont sorti cette pré-release 1.7.4, et donc la release 1.7.4, donc la version est disponible, et j'ai oublié de mettre en disponible, ce qu'on va faire tout de suite, voilà, ça se fait. Donc je vais vous présenter les nouveautés de cette version. Donc nous avons l'ajout de Twitch dans Minecraft, donc vous allez pouvoir faire des lives via votre Twitch. Donc ici dans options vous avez broadcast setting, donc ça vous permet de modifier la qualité de votre live. Donc vous pouvez ajouter le volume du micro, du son, la qualité, les FPS, plein de choses. S'il y a une whitelist sur le streaming qui peut le voir, etc. Et après là où votre live va être hébergé, donc vous voyez, donc et ça vous montre les différents serveurs, donc faut que ça charge, et après ça vous montre lequel il y a. Donc après, donc vous en avez un en défaut tout en bas, voilà, et après si vous cliquez sur un, vous pouvez le mettre en préféré. Et donc si vous voulez reset la préférence, qu'il n'y ait plus de préférés, reset preference, et c'est réglé. Voilà, donc pour lancer un live c'est très simple, il vous suffira d'appuyer sur la touche que vous aurez définie ici. Donc de base c'est F6, vous appuyez sur F6, ça lance le live. Mais pour cela, bien sûr, il va falloir avoir lié votre compte Minecraft à votre compte Mojang. Donc pour cela, il va falloir aller dans les options de votre compte Mojang. Donc le lien sera dans la description pour lier votre compte. Donc ensuite vous pouvez faire une pause, donc avec cette touche là, F7 de base, et après vous pouvez activer les pubs. Donc il n'y a pas de touche de prédéfinie de base, donc c'est si vous êtes en partenariat. Et activer la touche push to talk ou push to mute. Donc en fait c'est une touche qui est modifiable ici, donc soit vous choisissez push to mute, soit talk. Donc dès que vous appuyez sur une certaine touche, sur la touche que vous aurez définie, soit vous allez être muet, soit vous allez parler. Donc mais vous n'êtes pas obligé de définir, enfin d'utiliser cette option. Donc après vous allez la compression ici. Et voilà. Donc après, comme nouveauté aussi, nous avons un nouveau mob entre guillemets. Donc c'est le bébé zombie chevaucheur de poulet qui a bugué le bébé zombie chevaucheur de poulet. Donc on peut voir c'est simplement un bébé zombie chevauchant poulet, mais ce petit ennemi va être très redoutable étant donné que déjà lorsqu'il va tomber, il ne va pas tomber étant donné qu'il est sans poulet. Le poulet ne fait pas de dégâts d'altitude puisqu'il plane. Ensuite il va aller bien plus vite. Si vous n'avez pas d'armure, il vous fait 3 coeurs de dégâts. Voilà, c'est assez lol le zombie qui court après le slime, mais c'est pas grave. Et donc je vais vous montrer les dégâts que peut faire cette bestiole. Hop, on va quand même prendre une épée en main. Game mode 0. Par contre on va d'abord aller tuer les autres. Hop, hop. Oh les salauds. Oh les salauds. Voilà. Donc déjà. Hop, et donc si j'ouvre la cage. Regardez, regardez, il est vénère, regardez. Il va hyper vite. Donc si je me frappais, bam. Vous voyez, c'est un ennemi redoutable parce que vous essayez de fuir, il va très vite vous rattraper. Parce qu'il monte même les arbres, etc. Donc, si vous frappez, vous allez d'abord tuer, vous allez tuer seulement le zombie, après vous pouvez tuer la poule si ça pouvait vous faire plaisir. Donc ces mobs sont assez rares, mais ils spawnent que naturellement, comme ça il n'y a pas besoin de trouver quelque chose de spécial. Mais sinon ils sont assez rares à spawner. Par exemple moi j'ai dû faire spawner des centaines de zombies avant de pouvoir en obtenir un. Vous pouvez voir par les dégâts qu'il y a ici. Donc voilà, ce sont les nouveautés de cette version. Donc nous avons aussi un nouveau shaders. Donc attendez, je vérifie. Voilà. Je sais pas si je peux les activer. Voilà, donc ce shaders, donc c'est le notch qui s'appelle. Donc c'est un shader, ça fait un petit peu des petits traits dessus, comme sur les jeux rétro, comme les vieux Mario, ce genre de choses, qui sont pas très nettes. Et donc voilà, donc c'est un petit shader, donc ça peut vous faire plaisir de jouer avec. Vous pouvez voir là, on peut bien voir la texture. Donc toujours pour réinitialiser shader, F4, voilà. Donc c'est la seule nouveauté de cette version. Bien sûr, il y a beaucoup de corrections de bugs. Comme, ah oui, une autre nouveauté, c'est qu'on peut désormais en solo seulement mettre la distance à plus de 8 chunks. On peut aller jusqu'à 16 chunks. Donc voilà. Et en serveur multi, bien sûr, les serveurs peuvent décider s'ils veulent vous laisser plus 8 chunks ou autre, enfin s'ils veulent la distance qu'ils veulent, qu'ils désirent, vous laisser regarder en fait. Donc ça peut être pratique par exemple sur des serveurs où
vous devez pas avoir, vous ne devez pas voir plus loin que ça, ça peut être assez sympa. Donc voilà, donc c'est déjà tout pour la présentation de Minecraft 1.7.4. Donc c'était une petite version juste intermédiaire, donc vous faites pas oh mais c'est n'importe quoi, il y a rien comme nouveauté, cette version sera etc. Donc voilà, c'est comme la Minecraft 1.6.3, 1.6.4, ça sera ça, ça sert à corriger des bugs et à ajouter 2-3 versions, enfin nouveautés, parce que là ils ont rajouté Twitch, ce qui était de base, à mon avis, la version pourquoi, ce pourquoi elle a été créée. La prochaine version sera la 1.8. Dès qu'on aura eu plusieurs spoils, je vous les dévoilerai dans une vidéo annonce dans laquelle je vous pourrai vous montrer toutes les nouveautés de cette future, enfin les futures nouveautés de la 1.8 qui nous ont été annoncées. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, et à plus tout le monde. Ah oui, les chicken jockey, ça peut être aussi des zombies villageois, et même des cochons zombies. Et si vous enchantez une épée avec l'enchantement sharpness, qui est en français tranchant, et bah dans l'infobulle, et bah quand vous passerez sur votre souris sur l'infobulle, au niveau de attack damage, et bah maintenant ce sera ajouté les damage qu'elle fait en plus avec cet enchantement selon le niveau, si c'est 1, 2, 3 ou 4 ou bien 5. Allez, à plus.